Salut à tous, salut à toutes. On va vous présenter un nouveau booktube des bibliothèques de Bordeaux. Aujourd'hui, un livre, un roman policier, pas n'importe lequel. On est dans une sélection de polars, des petits polars là pour frissonner sous la couette. Ces polars, on va vous en présenter un dans cette collection. Il s'appelle Versus, le titre du polar, Versus, par Antoine Chénas, dans la collection Série Noire de chez Gallimard. Ça fait 500 pages, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, il faut le lire. Donc Versus, c'est l'histoire de deux flics, Andréotti et Nazouti. Nazouti, ce flic, est un flic qui a une quarantaine d'années. Il déteste le monde entier. Il est plein de haine, d'une sourde violence à l'intérieur de son corps qui le brime et qu'il a envie d'exploser. Andréotti travaille à la brigade des mineurs et on va lui adjoindre, on va lui associer un autre flic, un jeune flic idéaliste. Lui s'appelle Andréotti. On va voir ce duo de flics partir dans une enquête particulièrement affreuse dans le domaine de la pédophilie. Une enquête violente, une enquête qui va nous amener dans les bas-fonds de l'âme humaine. Ces deux personnages sont effectivement clivants, un peu comme dans les livres de Chénas, les héros sont toujours un petit peu à la limite, sont un peu borderline. Mais ces deux personnages, on va les retrouver au fil des pages et on va finir par les aimer. Il y a un autre personnage aussi qu'on va retrouver un petit peu plus adjacent, comme ça, un personnage qu'on va retrouver au fil du livre, c'est Rose. Rose, c'est un portrait que dresse Antoine Chénas, c'est un portrait absolument fabuleux d'une femme qui va connaître le pire pour finalement peut-être arriver à la fin, je ne veux pas vous dévoiler la fin, arriver à la rédemption et dans la lumière. Donc ce livre, il est typique du style d'Antoine Chénas, ce sont des phrases courtes, incisives, violentes comme un uppercut dans le poing. Ce livre ne vous laissera pas indemne, 500 pages certes, mais il y a un mélange de phrases courtes, électriques, violentes et d'espèces de discrétion un petit peu plus longue, mais qui vous permettent toujours de garder la tête haute, parce que quand on rentre dans les ténèbres d'Antoine Chénas, on se retrouve vraiment dans quelque chose de très sombre. Étrange, effectivement, sombre, sûrement, glaçant, cynique, violent, tel est l'univers d'Antoine Chénas. Si vous aimez ce deuxième livre d'Antoine Chénas, le premier s'appelait Aime-moi Casanova, j'ai choisi celui-là parce qu'à mon avis, il est plus riche et plus abouti. Si vous aimez Antoine Chénas, précipitez-vous sur Versus, car c'est un excellent roman policier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette brève description de Versus. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard dans un prochain booktube. Si vous avez aimé cet Antoine Chénas, dites-vous bien qu'on a d'excellents romans aussi policiers. Je vous les mettrai en commentaire à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à nous suivre. Bye bye!